Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, dans mon tutoriel, je vais vous essayer de vous montrer comment changer le langage du clavier d'une région à une autre. En fait, là, nous allons donc voir ensemble comment où est la différence entre le sort d'AZERTY de différentes régions. En fait, là, je vais vous montrer comment y aller. Ok, on y va. Nous commencions d'abord par entrer dans Settings. Donc, si vous ne trouvez pas la Settings directement, vous pouvez même écrire là. Donc, Settings, vous pouvez créer paramètres. Vous allez voir, ça va s'afficher. Si c'est en français, ça va s'afficher. Ça va. Et là, nous avons plusieurs options qu'il faut. Et là, nous entrons dans Time and Language. Time and Language, ça veut dire temps et langage. Et après, nous allons dans Date, là, quand ça va sur la date, le temps, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse à cette heure-ci. Ce qui nous intéresse, c'est région et langage. Région et langage. En entrant dedans, nous avons Country Origin. Là, moi, je choisis par hasard en France. Moi, je suis pas français, je suis pas en France. J'habite au Burundi, au fait. Je choisis seulement au hasard, c'est pas grave. Mais il y a là, on écrit Add Language. Là, il y a les trucs là, l'icône, c'est là ce qui va nous intéresser beaucoup plus là-bas. Nous cliquons et puis nous entrons dans Options. Et après, c'est là. Vous voyez ici, nous avons Keyboard. Keyboard, c'est là où nous allons maintenant regarder comment changer les langues par rapport aux régions. Là, nous voyons, moi j'ai mon clavier est en French, AZERTY, mais de Belgique. Je vais vous montrer la différence. Là, j'ai mon notepad, mon clavier virtuel. Donc, en fait, je vais essayer d'écrire. Si vous voyez bien, j'appuie par exemple sur A, A, C, E, R, I. Donc, c'est ça, c'est mon nom. Et puis j'appuie sur 6. Vous voyez ce que ça m'étonne. Ok, vous voyez ce que ça m'étonne. Et puis j'écris par exemple pas. Voilà. Je voulais seulement vous montrer la différence ici entre les deux types d'AZERTY. AZERTY de Belgique et France. Et après cela, je vais essayer d'ouvrir maintenant, ajouter une autre keyboard, une autre clavier. En français défense, donc là je prends French AZERTY, je ne prends pas le AZERTY de Belgique. Là j'ai remove, donc j'enlève le truc là de Belgique. Je vais maintenant vous montrer la différence. Donc là, là nous allons essayer d'écrire AZERTY. AZERTY Belgique, et nous allons faire entrer. Nous allons maintenant faire test AZERTY France. Ça va? En fait, si, parce que nous avons déjà enregistré comme AZERTY France dans les paramètres, je vais maintenant vous montrer la différence. Là, je vais faire AZERTY. Et j'appuie là sur 6. Vous voyez. La différence, c'est que ce sont des signes. Vous voyez. Il y a plein de différences entre AZERTY. Donc, si vous demandez quelqu'un, par exemple, de vous aider à changer votre clavier, bon, en fait, vous n'aurez pas besoin parce que vous avez déjà ce tuto qui vous essaie de vous expliquer à long et à large comment faire changer le keyboard, le clavier en différentes régions. Donc, si vous voulez les mettre en AZERTY, Belgique, ça dépend de ce que vous allez. Bon, comment vous allez vous adapter. Ok. Et là, il y a aussi une manière ou d'une autre, vous pouvez choisir. Maintenant, il y a QWERTY Suisse, QWERTY Canada,
il y a beaucoup, presque toutes sortes de vous allez voir, même si vous voulez, vous pouvez essayer maintenant en plus. Mais je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Tout ce que je vous demande, c'est de cliquer sur s'abonner, aimer, et si vous avez une question, postez-les dans les commentaires. Ou bien dans les commentaires, vous pouvez aussi me suggérer si vous avez certains problèmes avec vos machines, vos ordinateurs. Vous pouvez me dire non, est-ce que tu peux nous aider à faire ce tutoriel par rapport avec ces tricks, ces trucs, que je peux quand même vous aider pour essayer de trouver la solution ensemble. Ok, merci beaucoup. Je suis content vraiment de vous avoir. À plus.